Bonjour, bonjour, ici Stéphane, on se retrouve pour la vidéo. Ma réaction, le match de la Coupe de France, quart de finale de la Coupe de France, Dijon FCO, Paris Saint-Germain, victoire du Paris Saint-Germain, 6 buts à 1. Quelle revanche, mes amis, avec notre équipe C. Pour moi, c'est une équipe C parisienne. C'est une culotté, quoi. Une victoire logique. Voilà, une très belle victoire. Encore une équipe parisienne. Fantastique, quoi. On a vu le premier match entier de Michael Becker, de Kwasi, de le retour de le petit Aouchiche aussi qui est rentré. J'ai bien aimé l'équipe parisienne, mes amis. Je ne veux pas dire qui a fait un mauvais match, à part peut-être l'erreur de Elder Herrera pour le but de Dijon, à part ça, mais le match de Paris, voilà, ont été vraiment grandiose, quoi, avec des super buts. Le premier but, c'est un but de leur camp sur un centre de Becker qui met de leur camp. Après, c'est là Dijon qui revient à partout sur une super frappe à Acter, là. Après, Paris ont failli se prendre un deuxième but sur une grosse erreur de Thiago Silva. Heureusement, il a 4 points. Et après, juste avant la mi-temps, Kylian met le 2-1. Le 2-1 sur une super. Après, je ne sais pas si c'est Draxler qui la passe ou le défenseur Dijon qui la passe, je sais pas. Mais voilà, c'est Paris qui met un deuxième. Après, on l'a cru que le 200e but de Edinson Cavani, mais il n'y avait pas. Le défenseur il a touché la main, hein, je crois, un truc comme ça. Il n'y a pas de but. Voilà, score final, la première mi-temps, 2-1 pour Paris. Après, Paris encore, hein, déroule, même pas 5 minutes, 5 minutes de la deuxième période, corner. Et c'est Thiago Silva qui met le 3-1, le 3-1. Après, Paris gère. Après, Paris fait des changements. Il y a qui rentre, il y a Aouchiche qui rentre, il y a qui? Il y a Juan Bernat qui rentre aussi. Et puis qui rentre aussi? Je sais plus qui rentre. Voilà, qui fait des changements. Après c'est Pablo Sarabia qui met son petit but sur une frappe de Kylian, le gardien qui la repousse. Et Pablo Sarabia la reprend 2-1. 4-1, pardon. 4-1. Et après, juste avant, 5 minutes avant la fin du match, Kylian Mbappé frappe le ballon dévié, qui marque encore un but de leur camp. Ça fait 5-1. Et le dernier but, un bijou, le dernier but, c'est Cavani qui met en pointe Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé qui met la passe décisive à Pablo Sarabia qui met son doublé et ça fait 6-1, quoi. Voilà, rien à dire, hein, côté parisien. Voilà, tout en plus, Thomas Tuchel a fait des changements, qui a fait reposer un peu des joueurs. À part au milieu, à part Herrera, tous les milieux ont été reposés, quoi. Moi, une belle prestation parisienne, j'ai bien aimé. Et voilà, quoi. Je suis trop content. Trop content. Et puis j'ai bien aimé l'attitude des Dijon. Ils n'ont pas joué à 50 derrière. Ils ont essayé. Même à 4-1, ils ont essayé de revenir. Mais Paris est trop fort. Est trop fort. Mais avec une équipe moindre. Paris gagne tout le temps, quoi. Gagne et puis avec la bannière, quoi. À chaque fois ils veulent Paris marque, ils veulent marquer, marquer, marquer. J'ai
Très bien, très bien, très bien. Je suis content, quoi. Bon, allez, mes amis, moi, je vais vous laisser. Hein. Encore, excusez-moi, il n'y a pas trop de vidéos, mais j'étais malade, là. Ça faisait 2 jours que j'étais j'étais pas bien. Là, ça va déjà mieux, là. Ça va déjà mieux, et je vais reprendre des vidéos. Peut-être à la fin de la semaine, là, une collection, ma collection de GameCube. Je ferai ça peut-être à vendredi ou demain, ou non, je sais pas si j'ai le temps. Mais c'est une vidéo, j'aimerais la faire pendant cette semaine, ou si j'ai vraiment le temps, quoi. Voilà, quoi. Bon, allez, mes amis, moi je vais vous laisser aller Paris. Et moi je vous dis ciao. Le prochain match de Paris Saint-Germain, c'est face à Amiens, samedi, hein, je crois, à 5h30, je crois, 15h. Je sais plus, je crois que c'est samedi, je crois. Pas si je raconte des conneries encore aussi, c'est moi. Mais je crois que c'est samedi, hein. Voilà. Bon, allez, mes amis, moi je vous laisse. Je vous dis ciao et allez, Paris. Ouais.